Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver. On est en direct du stade municipal. Cette rencontre va nous permettre de suivre le Sporting Giron face au Real Madrid. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. L'entraîneur qui a choisi de privilégier la défense en s'organisant en 5-4-1. Bah, clairement, il va d'abord commencer le match en essayant de ne pas le perdre. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Côté tactique, l'équipe a évolué en 4-5-1. Dispositif ingrat pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Ah, ce sera finalement pour Ramos cette balle. Le Real Madrid qui aborde ce match avec confiance. Les Madrilènes peuvent s'appuyer sur la meilleure défense du championnat d'Espagne. Assez solide derrière, hein. La tâche s'annonce compliquée pour leur adversaire du jour. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, c'est le but de Gareth Bale, le ballon qui est au fond. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Amore Bieta. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Sergio Alvarez. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Attention! Et l'arrêt du gardien. Corner pour le Real Madrid. Marcelo. Le gardien qui s'interpose sur cette tête. La passe parfaite. Castro. La pierre de votre analyse sur ce qu'il peut apporter. Ce joueur qui semble infatigable sur un terrain. Ah, c'est vrai qu'il a un rendement offensif très élevé. Ah oui, hors-jeu. Hors-jeu, c'est net. Sergio Ramos. Toni Kroos. Isco. Rodriguez. Le Real Madrid qui s'approche du but. Martial. Et le but magnifique. Regardez cette frappe magnifique, parfaite, à ras de terre, très difficile à aller chercher pour le gardien. Mais c'est vrai que bah, on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Ouais, joli sang-froid de la part du buteur. On revoit ce but sous un autre angle. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Amore Bieta. Et bien l'intervention, changement de possession. Allez, les Madrilènes qui s'emparent du ballon. Ah, le ballon qui est perdu. Gareth Bale. Bale. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Un centre contré. Ils font tourner, ils prennent leur temps.
Ah oui, la transversale, magnifique. Kroos, ça part bien, action dangereuse. Sergio Alvarez, en 1-2. Ouais, la belle passe dans l'espace. Allez, dans le couloir. Attention, le centre. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Sergio Ramos. Modric. Ils attendent une ouverture dans la défense. Modric. Rafael Varane. Les 30 derniers mètres. Ouais, bon tacle, hein. Il lui a pris le ballon. Oui, bon ben, oubliez ce que je viens de dire. Ouais, bel appel de balle. C'est un centre. Manque d'application hein, sur ce centre et la défense qui peut éloigner le danger. Bain. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. On s'approche de la zone de vérité. La défense qui récupère. Ouais, cette attaque qui avorte finalement. Ouais, il perd le ballon, bon tacle. L'arbitre qui siffle la fin des 45. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Isco. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Ouais, un bon ballon d'attaque. Gareth Bale avec un tir. Oh oui, but! Le gardien qui a été pris de vitesse. Hein, il n'a pas eu le temps de s'étirer pour aller chercher ce ballon à ras de terre. Les joueurs du Real qui confortent un peu plus encore leur avance au score. C'est pas tout à fait le genre de la maison de laisser filer un match. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Amorebieta. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Attention à la frappe. Ouais, le but. Et ils n'ont pas vraiment fêté ce but, on les comprend. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Rafael Varane. Anthony Martial. Marcelo. Carvajal. Ramos Rodriguez. Il s'avance vers la surface. Toni Kroos et le ballon dans les bras du gardien. C'est intercepté par Anthony Martial. Rodriguez. Ouais, c'est bien donné ça. Superbe tacle et ce sera un corner. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. On va certainement faire venir les soigneurs. Ils cherchent à étirer le jeu en écartant sur les côtés vers Toni Kroos. Et il vient buter sur la défense. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Tiens, Pierre, rappelez-nous qui sera le prochain adversaire du Real Madrid. L'équipe qui sera opposée au FC Barcelone pour sa prochaine rencontre. Ce sera pour le compte de la Liga. Un match assez ouvert entre deux équipes qui devraient faire jeu égal. Ouais, la meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. Carmona. Les 30 derniers mètres. Oui, bon ben, oubliez ce que je viens de dire.
alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. On dirait que le joueur est prêt à reprendre sa place. On va voir s'il est capable de tenir jusqu'au bout. On passe de Ramos Rodriguez, elle est interceptée. Il dégage directement en touche. Ousmane Dembélé. Oh, la belle. Morata. Ouais, très joli but. Ah ben là, c'est pas mal. À peine il vient de rentrer, à peine il marque. Ouais, magnifique, magnifique cette reprise de volée. C'est le geste pur par excellence, celui qui demande une grande maîtrise technique avec de la confiance aussi. Pour moi, il faut en taper quelques-unes à l'entraînement pour en mettre une au fond. Hein. Et ça fait maintenant un score de 4 buts à 1. Amore Bieta. Victor Rodriguez. Attention, ça peut être dangereux. Il la joue un petit peu comme on rentre. Hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et... Oh, le ballon dangereux! C'est vraiment dommage pour eux. Ils auraient bien eu besoin d'un but pour revenir un petit peu dans la partie. Matteo Kovacic, Isco, le Real Madrid qui s'approche du but et ce ballon qui est perdu. Ah, cette attaque qui avorte finalement Borgui. Ah, le ballon qui est perdu. Isco. Ah, le ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu. Raphaël Varane. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Gareth Bale. Attention à la frappe. Et le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Nacho Cazes. Et ça y est, l'arbitre qui vient de siffler à l'instant.